Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour, l'oracle des animaux. Donc le livret, ah voilà Miss Cecilia, l'intérieur du livret. Les petites cartes. Donc c'est très très simple, il vous suffit de choisir l'une des trois cartes et ça vous donnera la tendance du jour. Alors, on va tout déglinguer, bien sûr. Donc, carte numéro 1. C'est simple, hein. Carte numéro 2. Et là, aïe, ce sera la numéro 3. Donc, carte numéro 1. L'ours, la tête à l'envers. Je prévois l'hiver. Le message de l'ours concerne le temps qui y passe et le respect des cycles de la vie, le temps de l'hibernation. L'autre signification est que le temps de l'action est passé, qu'il vous faut maintenant attendre des jours meilleurs. C'est probablement le cas si vous venez de connaître une période faste, car l'ours sait bien que la saison rude succède toujours au beau jour. Il n'est plus temps d'agir, mais plutôt de faire fructifier vos acquis, et d'attendre sagement que les neiges fondent en méditant sur ce que vous pouvez faire au printemps. La libellule, la tête à l'envers. Sous la lumière, je brille de mille feux. Le message de la libellule implique que la beauté des choses et des gros et des gens dépend de l'éclairage sous lequel nous les regardons. Ciel d'azur. Ah non, c'est pas celui-là, c'est... L'orage arrive. Les circonstances de la vie peuvent brusquement changer, comme la lumière lorsque les nuages noirs ou l'orage couvrent le ciel. Tant que les conditions se dégradent, les autres nous perçoivent tous à coup différemment, comme la libellule sous la pluie, nous semblons alors à leurs yeux moins hauts en couleur, moins éclatants ou gracieux. Pourtant, nous restons totalement identiques. Dans la tempête, sachez ne pas oublier que l'image que nous renvoie autrui n'est qu'une vérité relative et changeante. Et la carte numéro 3, le vautour, la tête à l'envers. Je suis l'ombre de ce qui fut. Le message du vautour évoque les moments les plus difficiles de la vie et la meilleure façon de les dépasser. Vautour tournoyant en attente. Il nous met en garde. Attention. Il nous met en garde, il est toujours des individus pour guetter nos faiblesses, attendre que l'on se trompe ou que l'on défaille pour vous attaquer une fois à terre. Ce n'est donc pas le moment de relâcher vos efforts ou les forces d'opposition l'emporteront. Le vautour offre un second avertissement. Modérez votre propre convoitise et votre opportunisme, sinon vous pourriez être mis au banc des exclus. Et voilà pour le petit tirage du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!